tay li am dama waxone gënalon na mama baña wax ndax besu jëf la e jëfune wax nako doyen yi fi jall wax nañ ko nous ne serons pas indignes de cet héritage là que les anciens nous ont laissé cheikh nañ fi contre l'état bim bëggé jaay les 9% à France Télécom et on a gagné ce combat cheikh nañ fi contre les appels entrants cheikh nañ fi je ne parle pas de la RTP mais Macky Sall doy ñu galandiku le débat pour mu leer moy RTP na xamné lal na lalak et il va falloir que nous croisions le fer avec les travailleurs de Sonatel. Parce que la RTP en réalité, c'est une boîte d'irrégularité et d'illégalité. Le principe de la régulation au niveau de l'UEMOA, moi, je vais avec un organe indépendant qui est le DG de la RTP. C'est un politique appartenant à la paire. Donc on ne parle pas de coïncidence. C'est une vérité. Le débat est moins technique. Et pour régler ce débat-là, on est en train de nous suivre à travers le net. Les Sénégalais, on les interpelle et on a un message à la fin à leur délivrer. Camarades, je ne serai pas long. J'ai une chose à vous dire. On est face à deux possibilités. Et Ben Tignari ne devrait nous faire peur. On aura soit la victoire ou la mort avec les armes. Vous voulez une kick, vous voulez ragal. Ce combat-là de le mettre, on y perdra des plus. On se battra. On sera peut-être emprisonné. C'est le prix à payer pour la dignité de cette personne. Si vous avez dit que vous avez on lui donnera un beau cadeau de fin d'année. Moi, jam. Mais si vous avez aussi, on lui donnera un excellent cadeau de fin d'année. Moi, il va croiser le fer avec nous. Une tième. Voyez, dire quoi du gène comme vous. Le problème de raison, vous avez dit. Vous avez dit. Le problème de raison, vous avez dit. Nous avons la grève. Nous avons la grève. Vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit grève. Dem dañu bëgg yaq sonatel dem dañ ko bëgg tej waaw dañ lañ ko yombal su boba imma ñu delu gannaaw wala imma ñu and ak ñom xex bofu sagar xex wala mu ngi won jërëjëf merci beaucoup camarade.